Qui c'est celui-là? Mon frère. C'est Jacques. Il s'appelle Jacques. Moi, comme je dis toujours, hein, si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans, t'as pas réussi ta vie. Vous penserez à votre carte bleue? Oui, Yannick. Monsieur Pourra. Accueillir ceux qui n'ont rien. C'est le principe de tous les Emmaüs. Bon, si tu restes, faudra bosser. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est prévu. J'avais lu un article comme quoi des tas de milliardaires avaient commencé dans leur garage. Je voulais inventer un truc simple, mais qui me rendrait riche. Comme le Rubik's Cube ou les séries américaines. Oh. À ton avis, pourquoi je me suis fait chier à trouver une idée géniale? C'est quoi ta grande et belle idée? C'est de rendre les petites gens beaux. T'as un gros potentiel de séduction, hein. Ça dirait de sortir de ta chrysalide. Dis-moi le secret de ta réussite, s'il te plaît, Jacques. Ce qui compte maintenant, c'est l'individu. Tu connais la Tram Tower? Non, j'y suis jamais allé. Bah tu vois là, je verrais bien ma tour. La Pora Tower. Quoi, papa et maman, vous avez jamais cru au capitalisme? Jamais. Merde. Pas Karl Marx qui va t'aider à avoir un jacuzzi ou une pergola? Jacques, jusqu'à présent, on a réussi à vivre ensemble sans que l'argent nous pourrisse. C'est beau. Alors, cache pas tout. J'ai un projet fantastique. C'est comme si j'avais reçu quelque chose. Et ça a failli être un coup de pied au cul. Arrête. Et dire que j'ai commencé avec un peignoir et des mules.